Ouais, c'est un tout petit peu de temps. Parfait. Voilà, je crois que c'est bon. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous. On va vous faire une présentation de la Namibie et d'African Eagle. On est. Vous m'entendez? Vous nous voyez bien? Parfait. Bon, oui, alors juste vous parler d'African Eagle. African Eagle a été créé en 1996. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, à l'époque, c'était une destination qui n'était pas très connue. Il y avait à peu près 600 Français qui venaient par an. Maintenant, il y en a à peu près entre 15 et 20 000. Voilà. On va vous faire la présentation aujourd'hui en vous parlant d'abord de toutes les destinations avec toutes les facettes de la Namibie. C'est Christian qui est à côté de moi, qui est à Windhoek aussi, qui va faire la première présentation. Et ensuite, on vous montrera les différents produits que l'on fait avec Ludovic. Ludovic, lui, se trouve sur notre bureau à Swakop Moon. Voilà. Donc, je passe la parole à Christian. Voilà, bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais vous présenter un peu la Namibie, surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien. Donc, la Namibie, c'est un pays qui est situé au sud-ouest de l'Afrique, voilà, d'où son ancien nom, le sud-ouest africain, et qui a comme pays limitrophe au nord l'Angola. Sur la partie est, vous avez le Botswana et une petite partie, la Zambie, le Zimbabwe. Et au sud, vous avez donc l'Afrique du Sud et on a bien sûr la façade atlantique à l'ouest. Alors, pour la population de la Namibie, aujourd'hui, c'est 2 500 000 habitants, une petite population, mais pour une superficie qui fait 825 000 km², donc en gros, pour ceux qui sont en France, une fois et demie la France. Pour le climat, voilà, on a plus de 300 jours de soleil par an, voilà, donc ce qui est vraiment très intéressant. Et au point de vue de la géologie de la Namibie, on a ceci de particulier, c'est qu'on a deux déserts. On a bien sûr sur la façade atlantique le désert du Namib et après plutôt à l'est le désert du Kalahari. Alors, pour les petites informations pratiques, au niveau de la santé, vous n'avez pas besoin de vaccin, voilà, donc ça c'est une très bonne information. Et surtout, l'eau en Namibie, elle est potable. Pour les transports, bien sûr, on roule à gauche et la grande partie de cette conduite se fait sur des pistes qui sont généralement très bien entretenues, mais aussi on roule sur du goudron. Alors, pour la cuisine, c'est intéressant parce qu'on mange bien en Namibie et le petit plus, c'est que les gens sont très gentils et très accueillants. Alors, pour l'histoire, aujourd'hui, bon, la Namibie, c'est quand même un pays qui est jeune parce que son indépendance est seulement depuis le 21 mars 1990. Alors, et bien sûr, on parlera aussi des peuples parce que la Namibie, c'est un pays qui a une très grande diversité de peuples. On voit là, voilà, sur cette petite photo, un monsieur San qu'on appelle communément les Bushmen. On voit la dame Herero avec sa belle robe. Et là, des jeunes filles Ovaïmba. Ensuite, voilà, là, je vais vous présenter un peu les différentes régions de la Namibie, mais en commençant par celles que vous visiterez si vous êtes sur un circuit classique, on va dire entre 12, 14 jours en Namibie. Et donc, bien sûr, on commencera par le plateau central. Donc, ça, c'est vraiment l'axe du nord au sud. Voilà, et donc, on voit, par exemple, là, sur la gauche, sur ma gauche, on voit le plateau du Waterberg. Et sinon, on a bien sûr ici la capitale qui est donc Windhoek. Ensuite, vous avez plus vers le nord, en allant vers la frontière avec l'Angola, le parc national des Tochas, qui est donc l'un de nos derniers, on va dire, sanctuaires animaliers en Afrique et qui a été créé en 1907, au moment où nous avions donc une colonisation allemande. Après, nous allons dans le nord, mais plutôt à l'ouest, et dans cette région qu'on appelle donc
donc le Damaralen. Donc ça, c'est vraiment la région où vous avez tout ce paysage minéral avec toutes sortes de roches. Là, on a voilà du basalte, vous avez du grès à Tuifelfontein, vous avez du granit dans la région du Spitzkoppe et bien sûr tous ces grands paysages à perte de vue. Ensuite, on se dirige vers la côte, donc la côte centrale, voilà, dans la région entre Swakopmund et Walvis-Bey, avec toute la faune aquatique très diversifiée, mais surtout au sud de Walvis-Bey, ces paysages magnifiques que l'on a avec ces dunes qui se jettent dans l'océan Atlantique. Un peu plus bas, on a donc le désert du Namib, qui est donc aujourd'hui le plus vieux désert au monde, avec ces grandes dunes qui sont reconnues comme étant les plus grandes dunes au monde dans la région de Sesriem et de Sossusvlei et bien sûr tous ces paysages magnifiques et tous ces beaux contrastes. Et on peut toujours aussi avoir l'occasion, dépendant du circuit, de pouvoir assister au lever ou au coucher du soleil entouré par ces belles grandes dunes du Namib. Alors là, c'est toute juste une petite parenthèse hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont amateurs d'étoiles. Et donc, en Namibie, vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire des belles observations d'étoiles à cause de ce ciel que nous avons qui a très peu de pollution lumineuse. Alors, la deuxième partie, voilà, de la présentation des différentes régions, ça sera au cas où nous avons des clients qui ont un peu plus de temps à passer en Namibie, voilà, on peut peut-être aller visiter le désert du Kalahari avec ses belles dunes longitudinales et on voit hein, une végétation et aussi une faune assez importante. Sinon, on peut aller un peu plus haut dans ce qu'on appelle le Bushmanland, qui est donc la région habitée par les premiers habitants d'Afrique australe, qu'on appelle les San ou encore les Bushmen, qui étaient donc des anciens chasseurs-cueilleurs et qui avaient donc une vie nomade. Alors, vous avez aussi dans le nord-ouest, extrême nord-ouest de la Namibie, le Kaokoland ou le pays des montagnes, voilà, habité par les Himba ou Ovaimba, qui sont donc cette ethnie venue de la région des Grands Lacs il y a de cela plusieurs siècles et donc ce sont des pasteurs. Alors, sinon, vous avez dans la partie sud, voilà, dans la région du Fish River Canyon, qui est donc le deuxième plus grand canyon au monde après celui du Colorado. Et à côté, vous avez aussi les sources d'eau chaude de High Ice. Et toujours dans le sud, voilà, sur la côte sud, on peut aussi visiter la région de Lüderitz. Et avec bien sûr ces villes fantômes, donc Kolmanskop, et vous avez aussi la ville elle-même de Lüderitz avec la vieille architecture qui date donc de la colonisation allemande. Et toujours si on a quelques jours à passer en Afrique australe, donc là on peut se rendre dans la bande de Caprivi, qui est donc cette bande qui aujourd'hui représente la région la plus humide de Namibie à cause de ces différentes de ces différents cours d'eau que l'on retrouve là. Et on voit, voilà, beaucoup de faune, beaucoup de flore et bien sûr tous les villages traditionnels. Alors, à partir de la bande de Caprivi, on peut faire une petite incursion au Botswana pour aller visiter le delta de l'Okavango. Et ce delta, on le visite souvent au bord de ces petites pirogues traditionnelles, donc qu'on appelle des Mokoro. Et voilà, au bout de la bande, on peut donc finir ce petit périple en Afrique australe en visitant les merveilleuses chutes Victoria au Zimbabwe. Voilà, donc voilà un peu en bref, voilà une petite présentation de la Namibie et voilà de ce qu'on peut faire en Afrique australe. Donc là, je vais passer la parole à Nicolas qui va continuer. Merci. Hop, mouvement de chaise. Merci Christian. Donc voilà, vous avez vu, on a un pays qui a quand même beaucoup de petites facettes. Là, on vous met un peu nos coordonnées, on les remettra un petit peu après pour ceux qui ne les ont pas. Alors maintenant, je voulais vous parler un petit peu. Nous avons maintenant des nouveaux partenaires qui sont Sense of Africa. C'est un gros tour opérateur ici, c'est un des plus gros. Ce qui nous permet de développer un peu plus de moyens à notre niveau.
notamment sur la partie véhicule. Donc, vous voyez, on a une flotte de véhicules qui est assez complète, qui va du Toyota Venture qui fait pour 2-3 personnes, des Land Cruiser qui sont spécialement équipés sur la piste, des Toyota Quantum qui sont aussi équipés piste, et des véhicules un petit peu plus grands. Vous allez voir par la suite, Ludovic va vous les présenter. Voilà, donc on va en gros de 2 à 44 personnes. Un autre petit avantage qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on a maintenant un système B2B. Le système B2B vous permet d'avoir un accès direct aux produits, donc en temps réel, via Internet, et vous avez la disponibilité des hébergements, des locations de véhicules, et surtout les tarifs en ligne. Donc ça, si ça vous est intéressé, on en reparlera plus tard, vous nous interrogez, on vous fera une petite explication. Et je laisse la parole à Ludovic, qui va vous parler un petit peu de notre production. Voilà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ludovic, je suis arrivé également en Namibie en 1996. Ludovic Brignon, pardon. J'étais guide de safari pendant 12 ans et maintenant je suis créateur de voyages pour African Eagle. J'espère que tout le monde m'entend bien, puisque je n'ai pas pris la parole jusqu'à présent. Je ne sais pas si on m'entend, mais j'espère que ça va. Donc, je vais vous parler de notre production. Comme le disait Nicolas, nous avons plus de 20 ans d'expérience. Donc, cette expérience ajoutée à la diversité des compétences de notre équipe nous permet d'offrir une gamme variée de produits, qui sont ceux-ci. Donc, vous avez l'autotour, les tours guidés en groupe, les circuits aventure, les incentives et les croisières aéronautiques. Ensuite, en fonction des goûts et des budgets des clients, cette production peut être modulée en différentes classifications qui sont là. Vous avez les tours classiques, confort, supérieur, de luxe ou aventure qui est le camping. Également, juste pour votre information, nous soutenons un tourisme responsable et supportons de nombreuses organisations pour le développement durable et la protection des animaux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre nos produits un par un et vous faire donner une brève explication de ces produits. Donc on va passer à l'autotour. Donc la Namibie se prête parfaitement à cette formule. Vous voyez, il y a plusieurs thèmes sur l'autotour. Tente sur le toit, aventure, donc avec ces véhicules 4x4, tout équipé pour le camping, avec des tentes sur le toit qui sont faciles à ouvrir et fermer. Vous avez des tours famille, initiation à la brousse, avec des activités pour les enfants. Vous avez des tours tout simplement découvertes, où le client découvre la Namibie au volant de son propre véhicule. Et également des circuits autotour au voyage de noces. À savoir que la Namibie se prête très bien à ce type de voyage. Donc la Namibie se prête parfaitement à la formule grâce à son bon réseau routier, son hébergement de qualité, et son peuple accueillant. Donc, notre rôle sera de proposer aux clients des circuits originaux et équilibrés tout en répondant à ses attentes. Donc, une fois que nous sommes arrivés à un accord, le client arrive à l'aéroport, un de nos représentants francophones l'accueille et lui remet son dossier de voyage et passe du temps avec les clients pour voir jour par jour son itinéraire et répondre à toutes les questions éventuelles que le client aurait. Donc, en fait, nous nous occupons de tout et une fois sur la route, le client n'a qu'à apprécier son circuit. Également, lorsqu'on leur remet leur dossier de voyage, on leur remet une carte téléphonique. Comme ça, ils peuvent la mettre dans leur téléphone et nous contacter à tout moment localement. Nous allons passer maintenant à l'autre produit qui est les tours guidés, les groupes. Alors là, toujours avec des guides francophones, bien sûr. Donc il y a différentes catégories, classiques, supérieurs, de luxe ou aventure, qui sont les tours guidés. Alors, nos guides francophones sont accueillants, compétents et toujours à l'écoute des voyageurs et sont de véritables ambassadeurs pour la Namibie. Leur connaissance du terrain et leur connaissance académique sur la faune, la flore, l'histoire, la géographie, etc., sont vraiment exceptionnels. Et ça ne manquera pas d'épater les clients, je pense. En plus de tout cela, chacun de nos guides a ses petits secrets. Donc ça peut être un endroit à Etosha où il peut emmener les clients, un endroit où il sait qu'il y a souvent des lions, donc pour que les clients puissent avoir une chance de voir les lions. Un village Imba, par exemple, dans le Kaokoland, que personne ne connaît, donc il peut avoir le plaisir d'emmener ses clients dans ce petit village. Ou plus simplement, proposer un apéritif le soir dans un superbe endroit en pleine nature, pour finir la journée devant le coucher de soleil. Voilà, donc tous ces petits atouts, leurs connaissances, leurs petits secrets, tout ça, font que les clients qui viennent avec des tours guidés gardent toujours un souvenir inoubliable de leur passage en Namibie. On va passer au produit suivant.
Donc les Mobile Adventure Camp. Alors, c'est une solution idéale comme complément d'un tour lodge. Par exemple, nos camps mobiles permettent aux clients de dormir sous tente dans un endroit exclusif, tout en disposant de tout le confort nécessaire pour ne pas rendre l'expérience spartiate. Hein, comme vous voyez sur les photos, il y a des beaux lits dans les tentes. Le personnel est là pour s'occuper d'eux à tout moment. Hein. Le camp est monté à l'avance et se compose de tentes avec lit, douche et toilettes. Le dîner se fait au feu de bois, bien sûr, et le repas sous les étoiles, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Voilà. Encore une fois, une expérience inoubliable. Et puis, ça permet aux gens qui font des tours en lodge de connaître un petit peu d'aventure en camping. On va passer au produit suivant. Oh, pardon, ça, je n'arrive pas. Je suis bloqué. Un problème technique. Moi, j'essaie aussi, j'y arrive pas. Allô, j'ai. On est bloqué. Pourquoi? On est bloqué. Voilà. C'est bon, Ludovic. Ludovic, je ne sais pas où est Ludovic. Bon, on va vous parler. Alors, je prends un petit peu le relais. Donc, ça, ce sont les circuits aventure, ce sont des circuits découverts, plus spécialement en camping. C'est aussi quelque chose qui est assez proche de la nature, puisqu'on va vivre pratiquement dehors tout le temps. On va avoir des marches, des randonnées. Les repas se font au feu de bois. On est équipé suivant la taille, à partir de 8 personnes, d'un guide, d'un chauffeur, d'un assistant. Et on a un équipement professionnel bien confortable pour être solide, pour pouvoir itinérer pendant une quinzaine de jours. Ludovic, tu es là? Oui, je suis de retour. J'ai Je te perdu la redonne la main. connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et voilà, je te laisse les incentives. Merci, merci pour avoir pris le relais. Désolé pour ça. Donc, pour les incentives, c'est un de nos produits. Notre connaissance du terrain, comme on l'a vu, et la diversité de compétences de notre équipe et notre équipement nous permettent de mettre en place des circuits fun et originaux. Donc là, vous voyez, vous avez les croisières aéronautiques, les rallyes automobiles, les raids en 4x4. Des circuits en lodge ou camp prémonté, et ce, toujours dans des lieux très particuliers. Hein, pour vous donner l'exemple, là, vous avez, je ne sais pas si j'ai le curseur, je vais le mettre. Là, vous avez un circuit, un raid en 4x4, donc il faut savoir que l'encadrement est très professionnel. Hein, vous avez un guide African Eagle en tête de convoi, un guide African Eagle à l'arrière du convoi, et chaque voiture est reliée par radio. Donc là encore, un de nos produits phares. Voilà, je pense que j'ai fini pour la présentation des produits. Je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Je repasse la parole à Nicolas et Christian. Merci Ludovic. Merci. Donc, voilà, on va vous mettre un petit peu. Vous avez encore nos coordonnées là, au bas de la page. Donc, ben, on va être prêt à écouter vos questions. Alors, c'est difficile en très peu de temps de pouvoir vous montrer un petit peu tous les circuits possibles. Mais il faut imaginer, comme l'a expliqué Christian, c'est qu'il y a plusieurs régions. Donc, le tout est de pouvoir amalgamer un peu tous ces circuits suivant le nombre de jours que l'on a et puis suivant les attentes de vos clients. Voilà. Alors, ben, on est prêt pour les questions, hein? Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Était trop clair. C'est moi qui clique. Ouais, non, mais là, tu peux. Alors, il y a une question sur la Allez. sécurité dans ce pays.
Bon, la Namibie, c'est un pays qui justement est plutôt safe. On n'a pas vraiment de soucis de sécurité. Il faut être prudent sur la route, mais au niveau sécurité dans les villes, etc. Ben, bien sûr, il ne faut pas laisser traîner comme partout dans le monde sa caméra sur le siège arrière. Mais sinon, c'est un pays qui est très safe. Au niveau santé aussi, s'il y avait le moindre problème, il y a des infrastructures hospitalières, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment un pays où il est agréable de vivre. D'ailleurs, on y est puis un petit peu pour ça aussi. Oui, et donc là, il y a une question d'Angélique qui demande quel est le nombre de jours moyens conseillés. Je pense que ce serait bien de penser sur place, voilà, entre 12, 14 jours, voilà, c'est bien. Ça permet d'avoir un circuit équilibré parce que si on a 10 jours, c'est un peu court, donc ça risque, on a vu la Namibie, c'est quand même un grand pays. Donc pour moi, 12, 14 jours, c'est bien, ça permet d'avoir un circuit assez équilibré. Mais autre chose, c'est que, en fait, dans la construction d'un pays, enfin, d'un itinéraire, ce qui est bien, c'est d'imaginer qu'on a des distances quand même qui sont longues les unes entre les autres. On roule à peu près une demi-journée pour aller d'une étape à une autre. Alors, c'est scénique, donc c'est une visite en soi. Par contre, ce qui est bien, c'est de passer 2 nuits au même endroit, de se déplacer, de repasser 2 nuits dans le même endroit. Comme ça, on a un rythme qui est quand même plus agréable. Donc, bah oui, c'est un peu la même question de Maureen. Combien de jours recommanderiez-vous pour un autotour? Je dirais qu'à 12-14 jours, c'est bien. En général, sur un autotour, on va passer la première nuit à Windhoek et après on va partir parce qu'il faut présenter, etc. Lorsque camping. Eh ben, l'avantage, c'est que la tente, elle est sur le toit. Donc, déjà, il faudrait que l'animal grimpe sur l'échelle. Non, en fait, c'est assez sécurisé. Bon, les campsites où on reste, en général, sont clôturés. Par exemple, à Etosha, on a des campsites. Et en fait, c'est nous qui sommes en cage. Donc, les animaux tournent autour. Donc, en fait, à ma connaissance, il n'y a pas de danger par rapport aux animaux. C'est plutôt tranquille et on l'explique bien aux gens pour les rassurer à l'arrivée. Aussi, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'en fait, on a une assistance 24 heures sur 24. Donc, les clients peuvent nous appeler à n'importe quel moment s'ils ont besoin de nos services. Y a-t-il des paquets? Peut-être à la carte. Ben, principalement, c'est à la carte. Alors maintenant, on travaille avec un certain nombre de tour opérateurs, mais ce qu'il faut voir, c'est que souvent on a des groupes aussi qui se constituent. On peut faire des packages, des circuits à la carte. Ça dépend un petit peu de la production que vous voulez donner. Vos véhicules sont neufs? Bah écoutez, oui, pour la plupart sont neufs. En fait, ce qu'il faut voir, oui, en général, nos véhicules sont plutôt. Enfin, on a de plus en plus de. On remplace les véhicules au fur et à mesure, donc pour en avoir toujours des neufs. Les véhicules que je vous ai présentés, par exemple, les Toyota Land Cruiser que vous avez sur la photo, c'est encore le dernier modèle. On a un nouveau modèle depuis. Qui est équipé avec le petit frigo à l'intérieur, les prises électriques pour recharger les téléphones et surtout les caméras. La priorité chez nous, c'est aussi la sécurité. Donc, tous les véhicules sont équipés de ceintures. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? L'entretien, oui, on a notre propre workshop. Hein, donc, on a deux workshops même, d'ailleurs. Un pour les petits véhicules, un pour les gros. Les véhicules sont toujours révisés à chaque revenu de tour, nettoyés. C'est nous qui faisons l'entretien, sauf les entretiens classiques que l'on doit faire chez le garagiste. Qu'est-ce que je peux dire par rapport aux véhicules? On fait attention aux pneus aussi. Les pneumatiques, c'est important parce que en fait, la piste, c'est aussi une matière de sécurité.
Donc voilà, nous, on peut dire que nos véhicules sont en bon état. Ludo, c'est quand la meilleure période pour visiter la Namibie? Je dirais que c'est de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En fait, la Namibie se visite toute l'année. Mais les meilleurs mois, si vous voulez, pour l'animalier en particulier, c'est de juin jusqu'à novembre, je dirais. Parce qu'en fait, on parle un petit peu de saison des pluies et de saison sèche, mais en fait, bon, si on regarde depuis les dernières années, on est plutôt en saison sèche. On peut avoir une pluie pendant 2, 3 jours, mais sinon, on peut visiter un peu toute l'année. Après, il fait chaud, il fait moins chaud, et surtout la période, peut-être la période sèche, c'est surtout pour l'animalier quand on va dans les parcs. Par exemple, à Etosha, ce sont des points d'eau, donc les animaux vont au point d'eau quand ils n'ont rien à boire ailleurs. Et la petite particularité aussi, c'est toute la partie bande de Caprivi, l'incursion au Botswana et le Zimbabwe avec les chutes Victoria. Là, c'est une période qui se fait plus pendant la saison sèche. Parce que là, on peut avoir des pluies, on a vraiment une saison des pluies qui peut être entre janvier et février-mars. Enfin, je dirais entre décembre et février. Les mois les plus chauds sont décembre, janvier, février et mars. Bien sûr, on accepte les enfants. Nous, on a des enfants, donc on s'est baladé pas mal avec eux un petit peu partout. Moi, je suis arrivé, mais mon aîné avait 9 ans. Les enfants, ce qu'il faut voir, c'est que les étapes sont assez longues. Donc, il faut avoir des enfants qui sont un peu réceptifs à pouvoir faire un petit peu de véhicule quand même pour passer d'une étape à l'autre. Maintenant, je dirais le bon âge, c'est quand les enfants commencent à s'intéresser un peu à la nature, aux fleurs, aux animaux, etc. Donc, je dirais à partir de 6 ans, ça commence à devenir sympa. Ah, bonne question. Alors, le budget moyen par personne, je dirais, il faut compter à peu près. En gros, 2 personnes, il faut compter à partir de 2000 euros quand même sur place. OK? Alors, ça dépend si on varie. Alors, ça dépend si vous avez fait un produit qui marche très bien, c'est la voiture avec le tente sur le toit, c'est un petit peu moins cher. Maintenant, le budget, c'est aléatoire en fonction des hôtels. Alors, il y a des hôtels chics et chers qui vont jusqu'à 500 000 euros la nuit. Après, il y a des hôtels, un hôtel moyen, c'est entre 70 et 100 euros. Voilà, si vous rajoutez le guide, évidemment, le guide, ben, ils sont payés au jour le jour, avec leur hébergement, avec leur nourriture. Et souvent, quand on va vous faire un programme avec un guide, il va y avoir un gros change, c'est qu'en fait, on inclut les repas, on inclut le pétrole, on inclut un certain nombre de choses. Voilà. J'espère avoir à peu près répondu. Mais sinon, pour un self-drive, quoi. Le budget moyen, oui, en effet, c'est entre 1 800 et 2 000 euros, je pense.
J'ai l'impression qu'on a eu un petit problème de connexion. On est revenu. Oui, Marie-Françoise nous dit oui. Période déconseillée. En fait, il n'y a pas vraiment de période déconseillée, sauf sur la partie Caprivi, où c'est pas conseillé d'aller pendant la période de pluie. Maintenant, la chaleur. Alors, Ouais, entre décembre et mars quand même. voilà, décembre et mars, il va faire chaud. Mais en fait, on a quand même une chance, c'est qu'on a un chaud sec. Donc, il fait toujours sec, donc c'est plus supportable. On transpire pas l'été, en fait. L'hiver, on peut avoir des températures froides dans la nuit, mais c'est pareil, c'est un froid sec, donc en fait, on met une espèce de grosse doudoune, et puis dès que le soleil se lève, hop, on est en t-shirt, on est opérationnel. Pour vous donner un petit peu une idée, l'hiver chez nous est probablement plus agréable que l'été chez vous. Ça dépend où on se retrouve, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ludovic, tu es là? Je suis revenu, apparemment, la connexion Alors, Internet. à toi. Est-ce que tu peux répondre à Margot? Alors, les régions les plus touristiques, c'est bien sûr Etosha, le Damaraland pour aller voir les gravures rupestres, la côte, où les gens en général passent un ou deux jours pour participer à des activités. Bien entendu, Sossusvlei, Sesriem, hein, vous savez, dans le désert du Namib. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, les régions un peu moins connues et un peu où il faut parfois un peu plus de temps, c'est le Kaokoland, au nord-ouest de la Namibie, où vivent les Himba. Et où se trouvent aussi les célèbres chutes Epupa. Le détroit de Caprivi, là aussi c'est un peu moins, les gens y vont un peu moins, c'est un peu plus loin, mais ça vaut le coup quand même, hein. Et puis le Grand Sud aussi, un peu moins visité, là où on trouve le Fish River Canyon et l'Uderitz. Il y a des régions Voilà. aussi qui sont un peu, voilà, sur justement le pays Imbalc à Kaokoland. Il y a des endroits où on peut aller un petit peu dans des endroits un petit peu reculés, mais là, en fait, on est accompagné d'un guide. Donc, il est possible aussi d'avoir des gens en auto-tour et que le guide les rejoigne avec sa voiture. Donc, c'est bien quand il y a plusieurs voitures. Et va vous promener un petit peu dans cette région-là. Donc là, on a toute la logistique nourriture. On va dormir dans des hôtels. On a la logique nourriture, on a la logistique mécanique, etc. On équipe les gens avec des radios. Donc c'est vrai que ça nous arrive d'avoir des tours de 3-4 jours. On va faire une petite antenne un petit peu spéciale. Ça marche très bien, les gens adorent. Notre avis sur la visite des villages Inba. Ouais, donc ça c'est Patricia qui pose la question. Est-ce que cela n'est pas vécu comme étant trop voyeur? Bon, je pense que ça c'est un peu, ça sera une réponse assez personnelle, hein, dépendant un peu de l'avis de chaque participant, parce que ça dépend comment la personne elle-même vit l'expérience. Mais de notre côté, parce que voilà, on a quand même ce contact avec les guides locaux, avec les personnes qu'on rencontre dans le village, eux, ils le vivent pas vraiment de cette façon-là. Donc après, ça dépend aussi comment le client appréhende, voilà, la rencontre. Mais voilà, il faut toujours s'arranger pour que ça se fasse de façon ou très respectueuse, et normalement, ça se passe très bien. Il faut essayer d'avoir l'échange aussi. En fait, on va dans un village, on essaye d'arriver dans le village à pied, de ne pas faire des photos tout de suite. Voilà, j'ai une demande de devis en février, via ça, fixer les prix. Je vais savoir, la demande, elle est passée par où? Bah ça, je ne sais pas. Il faudrait qu'on se contacte après, Loïc. Si tu peux m'envoyer un mail, hein, à notre adresse, que je regarde ça, c'est possible, en étant sûr que tu l'aies reçu, qu'on l'ait reçu. Parce que normalement, en fait, à chaque fois que vous nous envoyez une demande, on va accuser de réception en disant on a bien reçu votre demande. Voilà. Pour la partie technique, c'est quand même aussi quelque chose. Je ne sais pas ceux qui ont l'habitude de travailler sur la Namibie. Vous avez vu, c'est pas toujours évident parce que ce sont des petites unités. Chaque lodge fait 10-15 personnes, à part dans les grandes villes. Et des fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident. En dernière minute ou à une certaine époque, de pouvoir
obtenir tous les hôtels que l'on a. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Normalement, le devis, on doit vous le renvoyer. Voilà, on doit vous accuser réception, on doit vous envoyer le devis assez rapidement. Et après, en fonction des disponibilités qu'on a, si tout va bien, c'est parfait. Le plus vite on s'y prend pour d'une année sur l'autre, c'est encore la meilleure solution. Et des fois, ça peut un peu traîner, mais normalement, il y a un échange. On prend facilement notre téléphone et vous appelez. Maintenant, avec les moyens comme Skype, WhatsApp, ça marche plutôt bien. Voilà, mais envoie-nous notre demande. Ah, je vois qu'il y a le nombre de jours moyens Bon, je sais conseillés. pourquoi on Ça, n'a je pas crois mis. qu'on a un petit peu répondu, hein. C'est Oui. 10-12 jours minimum. Après, voilà, package à la carte, on a déjà répondu aussi. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu la réponse pour t'endormir en pleine nature facilement, sans avoir forcément à réserver un campsite. Ah non, ça c'est pas la même, Excusez-moi. excusez-moi. Voilà, sans avoir à forcément réserver un campsite. Alors, l'avantage d'avoir la maison sur le toit, c'est quand même un avantage. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout réserver. Maintenant, le camping sauvage La maison, c'est gentil. n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité. Si vous êtes encadré avec un guide, c'est un petit peu différent parce que nous, on a des endroits où on sait qu'on peut aller. Mais enfin, c'est difficile de prendre une route et d'aller se mettre dans un endroit où, plutôt par mesure de sécurité, Voilà. quoi. Si on va faire un petit peu de 4x4, il faut quand même, voilà, faut pas rester coincé. Donc, je dirais que c'est en général mieux d'aller dans les campsites. Les campsites, ils sont quand même bien équipés. Vous avez des douches, des toilettes. En général, on n'est pas les uns sur les autres. C'est plutôt dans des endroits assez découverts. Ils sont de plus en plus personnalisés avec un décor assez sympa, quoi. Les douches, elles sont un petit peu recherchées. Enfin, voilà. Donc, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de tout réserver les étapes parce qu'il y a des gens qui veulent un peu aller par eux-mêmes. Voilà. Et par contre, pour tout ce qui est circuit en lodge, il est préférable de réserver à l'avance. Ben, de 7 à 77. Ouais, c'est ça. Pas beaucoup. Pas beaucoup d'hébergements chez l'habitant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours évident de mélanger les gens. C'est vrai qu'on n'a pas la même, on n'a pas les mêmes manières de vivre. On a les manières de se rencontrer, de vivre chez l'habitant. On n'a pas vraiment de logement chez l'habitant. Par contre, quand vous allez dans une guest farm, par exemple, vous allez chez des fermiers. Donc ça, ils vont vous expliquer un petit peu tout le truc. Il y a des échanges. Aussi, n'oubliez pas, je vous disais, c'est des petites structures. Donc en fait, il y a énormément d'échanges avec les gens, même les directeurs de lodge ou les gens au service, etc. Alors, on a aussi un produit qui est assez sympa, qui est dans le nord, qui se trouve tout à fait au nord. On les a aidés un petit peu à partir, c'est au Cap-Icat, tout au nord. Et là, on a reconstitué un petit hébergement. C'est simple mais confortable, avec c'est des tentes et des douches privatives. Et là, on a reconstitué un petit peu un village qui est à côté du village, quoi. Donc, on va visiter des villages aux alentours et on rentre. On est un peu dans notre village où on organise des danses, etc. Le but, c'est de pas en faire. On n'en fait pas trop. Donc, l'idée, c'est d'avoir le confort et d'avoir des rencontres sans que ce soit qu'il y ait de malaise, quoi. En fait, l'idée, c'est de pas provoquer de malaise. Voilà un peu la réponse pour l'habitant. La place du marché luxe en Namibie. Ouais. Aujourd'hui, en Namibie, c'est vrai qu'on a des logements 4 étoiles, peut-être pas 5 étoiles, mais voilà, on a des très beaux logements, voilà, des logements de charme et tout. Donc oui, il y a moyen d'avoir des très beaux circuits avec aussi des très beaux logements. Chic et cher. Méprisé d'ailleurs. Oui. Bon, il y a le classique, hein. Ludo, tu veux répondre? Oui, il y a pas vrai pour les sentiers. Oh, les sentiers vont en 4x4 sur le toit. Il faudrait.
en 2 semaines, soit le client choisit de visiter le sud de la Namibie. À ce moment-là, il va dans les endroits comme Luderitz, Aos pour aller voir les chevaux du désert, ou le Fish River Canyon qui finalement est pas si visité que ça. Ou alors il décide d'aller dans le nord et va visiter par exemple Lovamboland ou le Caprivi, là où vivent 60% dans Lovamboland et Caprivi où vivent 60% de la population namibienne. Donc là, ils pourront voir des villages traditionnels, ils pourront voir des rivières, chose qui est plutôt rare en Namibie. C'est une autre façon de voyager. Donc, pour sortir des sentiers battus, voilà, ils peuvent soit faire le sud, soit faire l'extrême nord. Ça va être difficile de combiner les deux, par contre, il y a trop de distance. Faut avoir le temps. Faut avoir le temps, voilà. Mais sinon, il y a moyen de sortir de faire des choses, oui. Alors après, il y a quand même aussi des choses qu'on fait en 4x4 avec tente sur le toit qu'on ne fait pas avec des circuits en lodge. C'est-à-dire qu'on peut déjà dormir. Un endroit, par exemple, comme le Spitzkoppe, c'est un endroit qui est magnifique. Nous, on adore aller camper là-bas quand on a le temps. C'est à 250 km de Windhoek. Il y a des marches, il y a tout, il y a un site. Et en fait, on peut y aller vraiment que avec la tente sur le toit. Il y a aussi des routes pour aller rejoindre Sesriem où vous allez longer la rivière Kuzeb, où il y a des camps, on peut dormir en cours de route. Donc voilà, il y a des le circuit le plus approprié. Il faudrait nous faire une demande et qu'on donne un petit peu, qu'on en parle. C'est vrai que c'est important quand même pour nous quand vous avez bien le briefing de vos clients, ce qu'ils veulent, etc. On a suffisamment d'expérience pour essayer de trouver les bons ingrédients, quoi. On avait une autre question? Il y avait quelqu'un qui demandait si dans les 2000 euros en moyenne, le véhicule était inclus. Donc oui, le véhicule est inclus dans cette moyenne. En camping, on va dire, surtout. Non, là, on va plutôt recommander un circuit en camping. C'est vrai que à ce moment-là, enfin, auberge de jeunesse, on n'a pas vraiment d'auberge de jeunesse. On a quelques lodges qui sont simples et dans les grandes villes. Après, c'est le camping, hein. Donc, 4 jeunes dans une voiture avec les tentes sur le toit, c'est un peu la formule la plus sympa. Puis, il faut penser qu'on doit bouger. Il y a peu de transports publics en commun. C'est pas toujours. En fait, les gens vont d'un axe à un autre pour aller d'une ville à l'autre, donc c'est pas vraiment toujours dans les circuits touristiques. Alors, bon, je vais peut-être répondre aussi. Tourisme de masse, non. En fait, on ne peut pas. Parce qu'en fait, déjà, au niveau des hôtels, il faut imaginer que les hôtels sont en pleine brousse, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc, en fait, l'eau, on va la pomper en sous-sol, des fois dans le désert jusqu'à 300 mètres. Donc, on a une eau qui est parfaitement buvable, on n'a pas du tout d'agents qui vont abîmer l'eau. Le tourisme, il évolue de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, la Namibie est de plus en plus connue, mais en fait, on est limité un petit peu. On a souvent une offre qui est supérieure à la demande, et en fait, l'évolution du tourisme s'étalonne sur des années. Ça nous arrive même parfois de dire, attendez, conseillez plutôt à vos clients de ne pas venir à chercher, à venir. Au mois d'août maintenant, choisissez éventuellement une autre saison ou remettez un voyage l'année prochaine pour avoir des bonnes conditions d'hébergement. Non, on ne peut pas dire que ce soit. À mon avis, la Namibie sera jamais un tourisme de masse, ce qui est en fait très bien. Vol direct de Paris? Non. Alors, au niveau de l'aérien, on a Air Namibia qui passe via Francfort, c'est la compagnie nationale. On a ensuite direct sur Johor Air France. Et maintenant sur la Namibie, on a Qatar qui arrive, qui marche très bien. Ethiopian et KLM.
Et en fait, maintenant, on est diversifié, c'est-à-dire qu'on peut arriver, on peut arriver en une escale sur la Namibie. Voilà. Je rappelle aussi une petite chose, il n'y a pas de décalage horaire, hein. Donc, il n'y a pas de décalage horaire, enfin, ou presque pas, là, on est à la même heure en ce moment. Donc, voilà. Extension balnéaire, la mer est un peu froide, hein, Ludovic? La mer est à combien de degrés la mer? En fait, la mer est froide, il y a un courant froid qui vient du pôle sud. Donc, en fait, ce n'est pas pour se baigner. Par contre, si on veut vraiment faire du balnéaire, il va falloir penser à aller plutôt côté Mozambique, éventuellement rejoindre Maurice. Voilà, c'est plutôt ça si on pense se mettre sous un cocotier. Voilà. Ensuite, accès à Internet. Non, on n'a pas Wi-Fi dans les cars, c'est un petit peu. Enfin, d'abord, le réseau Internet, on l'a pas tout le temps. Donc, en fait, si on voulait mettre le Wi-Fi dans les véhicules, il faudrait avoir le 4G. On n'a pas une couverture 4G souvent d'une ville à l'autre. Par contre, vous avez le Wi-Fi dans les hôtels, dans les campsites, etc. D'autres questions? Voilà, donc là, on a Benoît donc, qui vient juste de nous rejoindre. Voilà, il dit que la Namibie, c'est le désert, les grands espaces, mais quoi d'autre? Voilà. Bien sûr, il n'y a pas que les grands espaces. Voilà, pour les animaux, oui, les Big Five, on les retrouve. À Etosha, on n'aura pas, par exemple, le buffle, parce que pour ça, il faut aller dans la bande de Caprivi. Mais au moins, on aura les Big Four. On aura les éléphants, les lions, les rhinocéros, le léopard. Et après, si on va dans la bande de Caprivi ou encore au nord d'Etosha, on peut, voilà, retrouver des buffles. Voilà, donc il y a beaucoup d'animaux. Il y a des grands animaux, des petits animaux, il y a des oiseaux. Voilà, donc on retrouve de tout. Et c'est justement aujourd'hui le fait que la Namibie, c'est une destination où on peut faire plusieurs choses à la fois qui attirent de plus en plus les gens. Du fait de la faible population, les animaux sont omniprésents, même si on n'est pas dans. Ouais, c'est ça, c'est le fait que voilà, les animaux, on les retrouve pas seulement dans les parcs, même en dehors des parcs, oui. Qu'est-ce qu'on mange, les plats typiques? Bon, pour les plats typiques, ça c'est une question Barbecue. de Brigitte, voilà. Donc, faut savoir que le sport national en Namibie, c'est le barbecue, ce qu'on appelle le braai, donc beaucoup de viande. Mais voilà, sinon on mange, dépendant un peu, on a dit, il y a des ethnies différentes. Voilà, donc on aura des cuisines assez diversifiées, on aura la farine de maïs pour certains, on aura, voilà, donc on trouve de tout. En gros, je dirais oui. Sauf quand on va sur le Kyrgyzstan, dans un endroit vraiment retiré. Mais en fait, on n'a pas de. Ok, facile voilà, de pouvoir converser avec les populations. On va dire que de façon générale, le grand problème, ça sera un problème de langue. Voilà, à certains endroits, vous trouverez peut-être pas tout le monde qui parle anglais, mais comme on l'a dit au début, hein, le peuple namibien, c'est un peuple très accueillant. Donc souvent, quand on peut au moins, voilà, dialoguer et qu'on se comprend, oui, ça se passe plutôt très bien. À ça, on va laisser Ludovic répondre. Ludovic, le spécialiste des sports nautiques pratiqués ou pas? Ah oui, les sports nautiques en Namibie. Oui, ils sont pratiqués. On peut faire de la planche à voile, principalement de la vitesse. Hein, le championnat du monde de vitesse en planche à voile se déroule à Biarritz. On peut faire du sport aussi, pardon, du surf. Hein, toute la côte namibienne se prête au surf.
Le kitesurfing aussi, bien sûr. Et puis le kayak de mer. Donc oui, on peut pratiquer les sports nautiques en Namibie. Et la pêche. Ah, t'as oublié la Mais la pêche, pêche, Ludovic. Sport sport, c'est vrai, national. c'est un sport. C'est un sport de retraité. Mais Ah, là, là, il est possible de pêcher, par exemple, des requins à partir de la plage en surf casting. Et ça, en effet, c'est vraiment du sport. C'est très difficile. pour des pêcheurs, c'est une belle expérience, quoi, la Namibie. C'est pas ça que je voulais dire. On peut combiner les deux, le nord et le sud, mais si on a un peu plus de temps, donc tu es là, je crois qu'on a perdu Ludovic. ouais, tu peux filmer. Bon, en fait, Attends, oui, je on tiens. peut. En fait, ce que voulait dire Ludovic, c'est que soit on va un peu plus s'orienter vers le nord, qui est un circuit un peu classique. Ensuite, si on va vers le sud, il faut avoir un petit peu plus de temps. Mais il y a aussi, on a des gens qui viennent, qui reviennent. Donc souvent, on peut avoir des gens qui sont venus, qui ont fait un circuit classique, ensuite qui vont revenir sur le désert et qui vont continuer un petit peu sur la côte, l'Uderitz, le Fish River, remonter par le Kalahari. Et puis on a aussi encore des gens qui reviennent pour aller plutôt sur la partie Botswana, continuer sur les chutes Victoria. Donc en fait, on a plusieurs facettes qui peuvent être faites en plusieurs voyages aussi. Non, pas de vaccin obligatoire. Pas de Voilà. vaccin obligatoire, le visa est délivré à l'arrivée, très peu de décalage Bon. horaire, donc c'est des conditions de voyage très faciles. Voilà, donc je pense que on a fait un petit peu, on a fait un petit peu notre temps. On vous remercie tous de votre participation. Je crois qu'on a fait salle pleine, d'après ce que j'ai compris. Voilà, Donc ça, merci c'est super beaucoup. sympa. On était ravis de vous échanger. J'espère qu'on va échanger beaucoup par la suite. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez besoin qu'on vous parle par téléphone, on vous rappelle. Voilà, donc j'espère que la présentation vous en a donné un petit peu plus sur la Namibie et sur nous. Voilà, donc je vous dis à tous à très bientôt et merci de d'avoir passé ce moment avec nous. Voilà, on a passé quand même une petite heure, hein, quand même, c'est pas mal. Merci à tous. Voilà, merci à tous, au Merci. revoir.